présente pour le jeu Dean Factor. J'ai connu l'événement Bourget. Ce qui m'a donné envie de venir ce soir, c'est l'ambiance. C'est très convivial et je trouve ça très intéressant. J'attends cette soirée de passer un bon moment et d'apprendre plein de nouvelles choses aussi. Puis Inch'Allah, peut-être gagner la voiture. On est venu entre sœurs. D'accord. On est venu entre sœurs, ma grande sœur et ma petite sœur. Ce qui m'a motivée en fait à venir, c'est pourquoi pas gagner la voiture et passer une soirée avec mes sœurs, passer du bon temps. Vous vous êtes entraînée pour répondre aux questions ? Moi non, mais elle oui. Oui, nous un petit peu. Nous on s'est entraînés un petit peu. Que le meilleur gagne. Vous êtes les acteurs, vous êtes la grande gagnante de cette première édition au Grand Rex. Ce soir, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Ibtihaz. Je m'appelle Abdelrahman Hadjouj, cofondateur du projet Dean Factor. Et en charge notamment de la ligne éditoriale sur le projet et de l'implémentation de l'ensemble de la stratégie. Je suis content parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs, des gens souriants, des gens qui sont rentrés avec plus de choses en tête, des gens qui ont finalement juste pris du bon temps. Et tout ça, je pense que si on a réussi à le faire, c'est une grosse réussite de notre côté. On est vraiment content de l'accueil qu'on a reçu du public. Un petit mot pour ceux qui n'ont pas pu venir, j'espère que vous serez là sur les prochains événements qu'on va mettre en place. Il y aura plein de surprises qui vont être partagées encore sur les réseaux sociaux, donc soyez là sur les réseaux sociaux pour en profiter un maximum. Et puis je terminerai avec un petit mot pour Ouma TV qui fait un boulot fantastique, qui nous suit depuis assez longtemps aussi avec les projets qu'on a et qui ont toujours été là, et ça fait vraiment plaisir d'avoir l'équipe derrière nous. Merci Ouma TV. Merci. Chut. Franchement, je vous le dis face caméra, vous avez loupé une grosse soirée. Vraiment, c'était juste magnifique. Salut Ouma. Ouma TV.